que tu puisses lui parler, Seigneur, à travers ta parole. Jésus-Christ de Nazareth, je voulais te coûter, Seigneur, de gloire. Je voulais te coûter, Seigneur, parce que ta parole me fait du bien. Parce que ta parole est tout pour moi, Seigneur. Ta parole est la vie pour moi, Jésus. Gloire à ton Seigneur, Jésus. Père, tu m'as choisi afin que tu puisses parler de ta part. Seigneur de gloire, merci. Je t'en supplie, accorde-moi ton intelligence, ta sagesse, afin que je puisse parler de ta part. Oh, gloire à ton Seigneur Jésus. Merci, l'ange de Dieu. Merci, le Dieu créateur. Tu vis au siècle des siècles, éternité en éternité. Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, le Dieu créateur. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons l'éternel. Seigneur soit avec vous. Amen. Prenons nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Nous courons derrière l'air, après l'air, ce n'est plus l'air. Ouvrons-nous tous nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 19. Genèse chapitre 19, versets 12 à 29. Je lis la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 19, versets 12 à 29, c'est parti. Les hommes dirent à Lot, qu'y as-tu encore ici, gendre, fils et fille et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot est sorti et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. De l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait détruire, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh, non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je n'ai pu me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne. Et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y répise et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y répiger, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du souffle et du feu. De par l'Éternel, il détruisit ces villes
toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham s'éleva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée du fournaise. Lorsque Dieu détruisit la ville de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Oui, c'est la parole de Dieu, la prophétie par excellence. Mon thème de ce midi est intitulé « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi ». Alléluia. Amen. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Nous connaissons très bien l'histoire de cet homme et Lot. Celui qui était voile de son oncle Abraham. Abraham avait eu pitié de son neveu parce que le dieu adorait que les idoles. Quand Dieu a visité Abraham, Abraham n'a pas voulu laisser son neveu dans leur patrie. Il avait préféré de sortir lui avec son neveu. Mais Lot n'était pas sorti qu'avec son neveu. Il était sorti avec sa femme ainsi que ses serviteurs, ses biens. Mais arriva quelque part, il y a une dispute entre le berger d'Abraham ainsi que de Lot. Vu que la promesse a été faite à son oncle, Abraham a eu la parole, a pris le devant, et dit à son neveu, nous devons nous séparer. Je ne veux plus qu'il y ait des disputes, d'avoir des disputes entre moi et toi. Tu es mon neveu, je suis ton oncle. La famille restera la famille. Alors pour conserver la famille, nous devons nous séparer. Pour éviter des coups. Alléluia. Amen. C'était terrible. C'était douloureux. Malgré cela, Abraham n'avait pas de choix. Il était obligé de se séparer avec son neveu. Malgré cela, l'autre n'avait pas de choix. Le problème est que Abraham a le seul temps à son neveu de choisir là où il pouvait bien aller, se diriger. Je voulais t'aider à cette heure-ci. Tout ce qui brille n'est pas l'or, n'est pas aussi argent. Amen. Il y a des faux l'or. Il y a des garanties. Oui. Alléluia. Amen. Il y a des garanties de 10 ans, d'un an, de 20 ans. Amen. Tu peux t'enorgueillir par rapport à tes garanties de 10 ans. On peut te tuer par des couloules, par tes garanties de 10 ans. Croyant que ce sont de l'or. Oh, quelques des garanties. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a laissé du temps à son neveu. Lot a regardé de côté, a vu quelque chose qui brille. Une bulle qui brille. Lot a dit, waouh. Même si aujourd'hui je me sépare avec mon oncle, mais j'aurai la vie quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Qui chassa n'est pas Goma. Qui chassa n'est pas Béni. Qui chassa n'est pas Équateur. Qui chassa n'est pas Bas-Congo. Alléluia. Amen. Tu préfères mieux aller à Goma. Mais tu oublies que non, à Kinshasa, il y a aussi de l'or. Tu préfères mieux aller à Béni.
Tu oublies que non, à Bas-Congo, il y a de l'or. Tu préfères ignorer Bandundu. Ok, à Bandundu, il y a aussi de l'or. Pur. Alléluia. Amen. Tu te retrouveras à Goma, là où il y a des Rwandais, des Ougandais, des Angolais. Pendant que à Congo, c'est libre. Pendant que Bandundu, c'est libre. Alléluia. Amen. Tu as fait ton choix de venir en Europe. Et ce n'est pas le problème de Dieu. J'irai en Europe et pas en Afrique du Sud. Pas au Cameroun. Croyant que tu trouveras la vie en Europe. Alléluia. Amen. Il y en a des gens qui gagnent leur vie en Afrique. Tu pouvais bien rester dans la maison de ton père. L'autre ne manquait rien. Il avait ses richesses. Il avait beaucoup de richesses. Mais pourquoi il a accepté de suivre son neveu? Je pense que l'autre avait compris que son oncle était un canal de bénédiction pour lui. Alléluia. Amen. Mais il avait la bénédiction. Quelle sorte de bénédiction que l'autre cherchait auprès de son oncle? Alléluia. L'autre qui signifie voile. Donc cet homme avait besoin de la délivrance. Et pendant qu'Abraham lui aussi avait besoin de la délivrance. Mm-hmm. Alléluia. Amen. C'est ça qui a poussé que l'autre puisse être derrière son oncle. Mais quand on est arrivé dans cet endroit, son oncle a dit que non, nous allons nous séparer. C'était terrible. L'autre a regardé. Merci mon oncle. J'irai à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Arrivant dans cet endroit, Lot était parti avec toutes ses richesses, avec sa femme, avec ses serviteurs. La Bible nous dit, avant les anges puissent se retrouver à Sodome et Gomorrhe, ils sont passés d'abord par son oncle Abraham. La Bible nous confirme, Abraham a intercédé pas seulement pour Lot, mais pour Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? C'est parce qu'il avait la promesse de Dieu. Il sera papa de toutes les nations. Mm. Pas seulement père de Lot, pas seulement de sa famille biologique, mais de toutes les nations. Amen. Y compris Sodome et Gomorrhe, Amen. Babylone, Égypte. Voilà pourquoi Abraham intercédait pour que l'Éternel Dieu puisse avoir la miséricorde à lui de ne plus détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Mm-hmm. Malgré les des impudiques là-bas, mais Abraham intercédait en faveur d'eux. Amen. L'autre c'est là. Les anges ont arrivé. Ils sont arrivés dans l'endroit. La Bible dit, Dieu a entendu le cri. Bizarre. Dieu était dérangé par rapport à leur péché. La Bible dit Dieu l'a en colère riche en bonté. Mm. Dieu a beaucoup temporisé. Peut-être qu'ils changeront leur envie. Alléluia. Amen. Mais rien. Le péché augmenté. Comme à l'époque des tours de Babel. Nous devons lancer nos péchés jusqu'au sommet, là où se trouve Dieu. Oh que Dieu est trois fois saint, il ne peut jamais se croiser avec le péché. Amen. Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fuyait le péché. Voilà pourquoi il a précipité le pauvre diable ici sur la terre. Mm. Un homme saint. Amen. Le temps était fixé. Il y a un temps pour tout. Ce n'était pas le temps que Dieu puisse embrasser le péché. C'était le temps de Dieu de s'éloigner des péchés. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ses serviteurs afin d'en les détruire. Mais Dieu ne pouvait jamais passer comme ça sans avoir signalé son serviteur. Il ne peut jamais laisser ce serviteur aveugle. Mmh. Avant que Dieu puisse faire quelque chose, il avertit d'abord ses serviteurs. Amen. Je voulais détruire cette fille. Je voulais détruire ce fils. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Amen. Dieu attend de toi. Amen. Est-ce que tu as aussi la miséricorde comme moi, ton Dieu? Amen. Tu as en toi mon identité? Mm. D'où tu me diras que non, Seigneur, détruis-les. Mm.
Alléluia. Amen. Attention, il est temps. Il est temps. Wow. Sauve-toi pour ta vie. Amen. Ne regarde pas derrière. Amen. Bien aimé, il y a des chrétiens qui sont pareils à cet homme et l'autre. Néanmoins, l'autre ne connaissait pas Dieu. Mais il y a des chrétiens qui connaissent Dieu, mais ils se comportent comme de l'autre. Alléluia. Amen. Une belle pas que nos lèvres de Dieu puissent aller de l'avant. Croyant que non, ils vont étouffer l'éternel Dieu. Ok, ils ne réussiront absolument rien. Mais Dieu te laisse encore du temps. Tu n'es pas l'autre, mais pourquoi à toi il y a l'identité de l'autre? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici tout ce qui est devenu nouvelle. Nous devons porter à nous l'image de Jésus. Amen. On ne peut pas avoir à nous l'image de l'autre. Voilà pourquoi à cette heure-ci, Dieu t'aide. Amen. Il est en train de t'aider. Il te dit ceci, sauve-toi pour ta vie. Amen. Ne regarde pas derrière. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit cela à l'autre, l'homme qui était voilé de son serviteur, à combien plus porte raison, bien-aimé, à vous et moi. Nous avions déjà goûté Jésus. Nous savons très bien que non, il est comment. À cette heure-ci, Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Les anges ont bien dit à l'autre, nous sommes venus détruire cette ville. Alors, tu as trouvé la grâce. Regarde dans ce lieu. Prends toutes ces histoires. Prends toutes tes bénédictions. Prends tes enfants. Sortez de ces lieux. Nous allons détruire. Mais le problème, c'est quoi? L'autre a quitté son évêque avec toutes ses bénédictions, toute sa famille, avec la foule. Mais quand les anges ont dit à l'autre de récupérer tout ce qui lui appartenait, l'autre était parti voir que non, le gendre, le beau-fils, ses beaux-fils, ils voulaient le faire sortir, mais ils ont aussi refusé. Je pense que c'était que des fiancés, ou des fiancés que moi j'appelle souvent les fiancés primaires. Alléluia. Amen. La fiançaille primaire. Si c'était vraiment des époux, des beaux fils confirmés de l'autre, il pouvait bien écouter la parole de Dieu à travers l'autre. Amen. Et il pouvait bien sauver leur vie. Amen. Mais je ne sais pas si ces gens-là vivaient dans cette ville-là, d'où ils venaient avec Abraham. Ils étaient parmi la foule qui était avec l'autre. Alléluia. Amen. L'autre traînait encore. Il avait eu une chétive réponse. Il n'a jamais été répondu. Alléluia. Amen. On voyait l'autre comme un aventurier. Vu que l'autre tardait, Dieu lui-même est venu saisir l'autre. Prends maintenant tes deux fils, tes deux filles plutôt, ta femme, sors. Je vais détruire maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde-toi maintenant ta vie bien-aimée. Depuis que tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu étais doté. Il y a des béatitudes en toi. Amen. Où sont partis maintenant les dons de Dieu? Amen. Où sont parties toutes les richesses que tu avais? Alléluia. Amen. L'autre était parti de Sodome et Gomorrhe avec toutes ses bénédictions. Mais il était sorti à Sodome et Gomorrhe, main vide. Et seulement avec ses deux filles, ainsi que sa femme. Où étaient passées toutes les bénédictions de l'autre? Où était passée la foule qui était derrière l'autre? Où était passé le serviteur de l'autre? Alléluia. Parce que les anges ont dit à l'autre, récupère tout ce qui est à toi et sors. L'autre n'a jamais été parti chercher ses serviteurs, ni la foule, ni ses brebis. Mais il était parti voir le gendre.
Il était parti voir ses deux beaux fils. Alléluia. Amen. Est-ce que l'autre n'a pas vendu ses richesses? L'autre n'a pas sacrifié ses serviteurs? L'autre n'a pas sacrifié la foule qui était derrière lui? Ce sont des questions à poser. Parce qu'à ce temps-là, l'autre ne connaissait pas encore Dieu. Si ces gens-là, si l'autre a trouvé la grâce, c'est parce que Dieu s'est souvenu de son serviteur Abraham. Et c'est parce qu'Abraham intercédait en faveur de lui. Ni t'étais Abraham, mais bien aimé, le Seigneur te dit, l'autre ne pouvait jamais être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, malgré tes erreurs, malgré tes négativités, malgré aujourd'hui, vous et moi, nous avons encore le souffle de vie. Mm. Peut-être qu'il y a une personne qui est en train d'intercéder quelque part en faveur de nous. Amen. Alors, quelle est cette personne? Je ne te dirai jamais ton pasteur. Alléluia. Amen. Je te dirai à cette personne, il est au soin machin. Amen. Jésus a encore pitié de toi. Amen. Il ne veut pas te perdre. Amen. Jésus ne voulait pas te perdre, bien-aimé. Voilà pourquoi il est à la droite du Père, comme intercesseur principal, intercesseur puissant. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est si merveilleux. Bien-aimé, tu dois sauver ta peau. Tu as fait ton choix de venir en Europe, croyant que l'Europe est sur le canard, croyant que non, tu es au paradis. Alléluia. Je te dirai à cette heure-ci, tu t'es retrouvé à Sodome et Gomorre, à Babylone, en Égypte. Amen. Mmh. Yes, sir. Hey. Tu n'as pas encore gagné ta vie, bien-aimé. La Bible dit, vaut mieux la peine d'une chose que son commencement. Amen. Quelle sera ta paix, bien-aimé? Quelle sera ta paix? Notre paix sera que dans le jour que Christ sera de retour. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut t'utiliser puissamment, bien-aimé. Oui. Tu peux avoir la crainte de Dieu, mais ce qui compte, c'est la paix. Amen. Ne dis pas encore que j'ai la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Attention avec ton orgueil. Amen. Hey. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Ma cacadiaca, ça commence à venir. Amen. Wow. Hey. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Tu dors encore. Sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière. Amen. Alléluia. Amen. En néanmoins, l'autre a respecté cela. Amen. Il n'a pas regardé derrière. Amen. Mais il a décidé quand même. Amen. Seigneur, là c'est loin. Même dans cette ville-là. Il a trouvé encore une autre grâce. Amen. Quel est ce Dieu-là qui a plein de bonté? Amen. Malgré nos conneries, il y a encore la grâce à nous. Amen. Mais laisse-moi te dire, la grâce aussi sera épuisée pour toi. Amen. Tu perdras aussi ton salut. Mm. Mm. La grâce est là, c'est parce que ce n'est pas encore de retour. Le jour que ce sera là, bien-aimé, il y aura maintenant paix de la grâce. Amen. Maintenant le jugement. Alléluia. Amen. Il est temps. Il est temps. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière. Tu as tout perdu dans ta vie. Tu n'es plus comme tu étais auparavant. Alléluia. Amen. Tu n'es plus comme tu étais auparavant. Amen. Dieu te voit maintenant différent. Amen. Tu n'es plus la même personne que Dieu connaissait. Amen. Tu es devenu une autre personne. Où sont l'identité de Dieu en toi? Où sont l'image de Dieu en nous? Alléluia. Amen. Nous sommes devenus de l'autre dans l'église auprès de nos frères, de nos sœurs. Alléluia. Hey! Sauve-toi. Je ne te qualifie pas comme l'autre. Je ne te dis pas que non, tu es l'autre.
mais tu es comme Lot. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit tu es comme Lot, tu n'es pas Lot. Amen. Quand on dit tu es Lot, donc tu es Lot. Tu es comme Lot, donc par ta propre volonté, tu acceptes de faire copier-coller. Amen. Tout ce que Lot a fait, toi, tu peux te copier. Mais tu n'es pas Lot. Tu es comme. Donc nous devons changer. Nous devons prendre la décision ferme de sauver nos vies. Amen. Il est encore du temps, bien-aimé. Amen. Mais il revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Malgré la séparation d'Abraham ainsi que l'autre, malgré Abraham a vu des étoiles, mais il avait toujours pitié en lui. Amen. Abraham a laissé sa maison pour aller défendre, délivrer son neveu ainsi que les habitants de Sodome et Gomorre, parce que son neveu était là. Alléluia. Amen. Dieu se soucie encore de toi, bien-aimé. Dieu accorde, il a encore des regrets pour vous et moi. Mm. Voilà pourquoi jour et nuit, nous bénéficions de cette grâce. Amen. Nous vivons encore. Amen. C'est parce que Dieu est miséricordieux. Amen. Il est amoureux de nous. Amen. Mais attention, il n'a pas de préféré. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de préféré. Où sont passés tous les serviteurs de l'autre, ainsi que toutes ses richesses? On ne parle pas des richesses de l'autre, ni de ses serviteurs. On ne parle que de ses deux filles, ainsi que de sa femme. Alléluia. Amen. Où sont passées toutes ces richesses? Qui peut avoir l'idée? Qui peut avoir une bonne pensée? Alléluia. Amen. L'autre ne faisait plus ses commerces. Quand les anges ont arrivé, l'autre était hors de la parcelle. Il faisait quoi? Alléluia. Amen. C'est là que les anges ont croisé l'autre. Il n'était pas dans sa maison. On l'a trouvé dehors. Il faisait quoi? Il avait tout perdu? On lui avait tout pillé? Ou comment? Alléluia. Amen. Tu dois savoir toi-même pour ta vie. Où sont parties toutes tes richesses? Où sont partis tes dons à toi? Amen. Toi-même, tu le sais. Amen. Comment tu as perdu tes richesses? Amen. Comment tu as perdu tes dons à toi? Amen. Tu le sais. Amen. Moi, je ne le sais pas, mais toi, tu le sais. Amen. Tu le sais très bien. Amen. D'où est passée tes bénédictions? Amen. Chacun de nous connaît très bien sa vie. Nous connaissons nos vies, bien-aimés. Et n'oublions pas, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Mieux que nos parents biologiques. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voulais t'aider. Selon le signe de l'Éternel, n'accepte pas de te séparer avec Jésus, ni avec celui que Dieu a mis à côté de toi, devant toi, comme un canal de bénédiction pour toi. Ne peux plus accepter. L'autre, il a fallu de refuser de se séparer avec son oncle. Mm. Il savait très bien que non, moi, l'autre, je suis malade, je suis envoûté. Amen. Si je suis derrière un homme, c'est pour avoir une délivrance, une guérison. Mais l'autre, avec beaucoup de facilité, il a accepté de se séparer avec son oncle. Mm. Bien-aimé, tu peux commettre des conneries dans l'église de Dieu. Tu peux commettre n'importe quoi. Laisse-moi t'aider, bien-aimé. Si ton pasteur te dit que non, sépare-toi avec nous, tu dois refuser. Amen. Si cela c'est l'insu de l'Éternel, supplie ton Dieu à toi.
Pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette église? C'est pour que tu puisses changer. Ne pas plus accepter de te séparer avec ton Jésus, avec celui que Dieu a mis devant toi. Amen. Tu rateras beaucoup de choses. Amen. Si ce n'est pas le temps pour toi de quitter cet endroit, ne faut plus quitter. Tu embrasseras quelque chose que tu es en train de voir comme l'or. L'or. Or que ce n'est pas l'or. Amen. Alléluia. Amen. Lot avait beaucoup de temps de réfléchir. Il pouvait bien supplier son oncle. Oncle, pardonne-moi. Il pouvait bien blâmer ses serviteurs. Oui, c'est tout à fait normal que l'autre puisse perdre ses bénédictions. C'est tout à fait normal. Parce qu'il était soutenu par son oncle. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est ta bénédiction. S'il n'y a pas la connexion avec Jésus, tu ne seras jamais béni. Amen. Tu deviendras pauvre. Amen. Yes. Qui te fournira, bien-aimé? Qui te communiquera? À travers Abraham, que Dieu faisait quelque chose à Lot. Mais Lot a préféré de couper cette connexion. Il ne pouvait jamais recevoir. Alléluia. Abraham a compris que non, parmi les gens qui étaient derrière Lot, il y a eu des coulounes. Alléluia. Amen. Et Abraham a compris que non, l'autre, mon neveu, est aussi une voile. Toi aussi, Abraham, tu devrais aussi sauver, aider l'autre, ton neveu, pendant que tu as la connaissance que cette personne est voilée. Alléluia. Amen. Tu as des révélations en tant que responsable que cette personne a la malédiction, a quelque chose en lui, en elle. Oh non, tu dois aider cette personne. Non, je vois que quelque chose ne marche pas dans ta vie. Si tu restes dans cette position, ce sera une occasion de chute pour les autres. Amen. On doit te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. N'attendez pas que la personne puisse commettre des négativités. On vient de dire que non, tu vois ta sœur là, ta chante là, elle vient de coucher avec l'homme d'autrui. Ah bon, c'est sa vie, hein? Tu vois cet homme là, il vient de voler. Ah bon, c'est sa vie, hein? Moi, j'ai fait l'œuvre de Dieu, je m'occupe aussi de ma vie, hein? Alléluia. Mais pourquoi tu es placé là? Tu dois aider cette personne. Tu dois aider ces gens. C'est eux. Le problème d'Abraham aussi d'aider son neveu Lot. Parce qu'il parlait avec Dieu. Il avait en lui la promesse de Dieu. Lot aussi était parmi ces gens-là que Dieu a dit. Toutes les nations seront bénies qu'à travers toi. Il a fallu que non, Abraham puisse commencer. Oh, merci Seigneur. Waouh. Hein? Tu viens à l'église? Tu vois une personne qui n'est pas dans ta famille biologique. Ben écoute, toi tu es un pudique. Toi tu es idolâtre. Toi tu as la sorcellerie. Tu dois te repentir de tes négativités. Si tu ne te repens pas, tu dois sortir d'ici. Hey! Pendant que dans ta famille biologique, il y a de l'autre. Commence d'abord à soutenir l'autre de ta famille. Amen. Avant de venir dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une longue vision. Écoute. Nous, les hommes de Dieu, nous verrons que dans nos familles, il y a beaucoup de difficultés. Amen. Il y a beaucoup de malades. Beaucoup de impudiques. Beaucoup de idolâtres. Beaucoup de sorciers. Mais vous verrez que non, cette personne, moi j'ai le ministère de la délivrance. Si tu as le démon, je dois te délivrer. Comment toi d'avoir délivré dans ta famille? Si tu les laisses comme ça, alléluia. Amen. Commence toi d'abord à allumer cette lampe dans ta famille. Amen. Avant d'aller dehors. Yes. Dieu dit, prends soin de ta famille d'abord.
Celui qui n'est pas digne de prendre soin de sa famille, il ne sera jamais digne, capable de diriger le fidèle de Dieu. Alléluia. Amen. Abraham a commis l'erreur grave. Il a laissé son neveu puisse aller. Voilà, il n'y avait plus la connexion entre Abraham et Lot. Abraham a tout perdu. Il avait tout perdu. Et Abraham n'était pas, surtout, et Lot n'était pas prudent. Lot a tout perdu et il n'était pas prudent. Là où il était parti, oh là là, il était violé par ses dieux purs. Mais père, toi tu nous conduis en ces lieux. Tu as laissé nos fiancés là-bas. Comment nous allons nous satisfaire? Alléluia. Au lieu que leur projet puisse être ébauche, c'est-à-dire inachevé, mais le projet des deux filles de l'autre était achevé. Ce n'était plus ébauche. Ils ont accompli leur mission. Ils ont violé leur père. Parce que papa n'était pas prudent. Alléluia. Amen. Papa n'était pas prudent. Tout ça, je vois, je peins aussi Abraham. Mais l'autre, oui, il a trouvé la grâce de Dieu, bien-aimé. Tu as trouvé la grâce de Dieu de venir aujourd'hui à l'église. Mais est-ce que, pose-toi la question, est-ce que tu es délivré de cette maladie? Le voile est quitté. Alléluia. Amen. Nous devons nous poser des questions. Tu as trouvé la grâce. Dieu t'a sauvé. Mais le problème est que non. Cette maladie a eu honte de ta vie. D'où cette maladie gouverne toujours ta vie. Mm. Alléluia. Amen. C'était le problème d'Abraham. Dieu a fait que, parce qu'Abraham intercédait pour Sodome et Gomorrhe, voilà pourquoi Dieu a épargné Lot ainsi que sa famille biologique. Lot n'avait pas la parole puissante, la parole blessante, la parole de la vérité pour convaincre ses beaux fils. Voilà pourquoi ils ont resté toujours à Sodome et Gomorrhe. Ils ont embrassé la mort. Alléluia. Amen. C'était à Abraham de faire cela. Il a fallu, avant de laisser partir son neveu, Abraham puisse d'abord communiquer son neveu. Alléluia. Amen. Tu as trouvé la grâce, mais il n'y a rien en toi. Tu vis que par la grâce de Dieu. Tu te promènes que par la grâce de Dieu. Tu parles à l'église que par la grâce de Dieu. Mais Dieu t'envoie à l'église pour que tu puisses être délivré. Amen. Jésus était oué pour ça. Jésus nous a oué pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, attention. Je viens de dire, n'accepte pas de te séparer avec Jésus, ni avec l'homme, la personne que Dieu a placée devant toi comme canal de bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas aussi pressé de chercher quelque part un pays pour que tu puisses aller te réfugier. Tu dois réfléchir d'abord. Tu dois réfléchir d'abord. Si cela est la volonté de Dieu, tu peux aller. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, résous tes problèmes avec cette personne. Avec l'homme en question ou la femme en question. Alléluia. Amen. Attention, ne dis pas que non, j'ai déjà mes histoires. J'ai déjà mon argent. Je vais aller partout où j'irai. Alléluia. Amen. Tu peux aller partout où ton cœur désire, partout où tu as choisi, tu peux aller. Tu vis en Europe, nous vivons en Europe, il y a des facilités partout, alléluia. Mais le problème est que tu arriveras de sortir
Alléluia. Amen. Tu arriveras de sortir. Tu seras toujours connecté. Oui, je vais quitter cette église. Pas de problème. Tu peux quitter cet endroit à toi. Est-ce que tu seras toujours connecté? Tu auras toujours la bonne parole. Tu mangeras toujours la bonne nourriture. Tu ne seras jamais escroqué là où tu iras. On ne te demandera pas l'argent pour ta délivrance. Là, tu diras maintenant, là où j'étais, ah, mon pasteur là ne demandait rien avant de délivrer quelqu'un. Mais ici, là, il y a des enveloppes, il y a des enveloppes. Parce que tu as fait des choses par ta propre volonté. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que la vérité, bien aimée, que je vous cache à cette heure-ci. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens regrettent aujourd'hui, pas même ici, il y a de vrais serviteurs de Dieu, suite à une erreur. Non, je quitte cette église, je quitte mon pasteur. Là où ils sont maintenant, ils souffrent. Je quitte ma famille parce qu'il y a une prophétie qui est sortie. Ma mère est sorcière, mon père est sorcier, mes grands-pères sont des sorciers. Je quitte totalement ma famille. Là où tu iras, bien-aimé, tu souffriras, bien-aimé. On ne te laissera jamais comme ça. On te dira, bien-aimé, là où tu es, bien-aimé, on paye aussi l'eau. Tu dois contribuer. Hein? Tu diras, chez nous, on ne me demandait rien. Mais ici, là, tu commenceras maintenant à compter ton salaire dans tes doigts. Comment ferais-je pour retourner chez nous? Alléluia. Amen. Tu dois faire un bon choix. Tu dois d'abord sonder ton Dieu à toi avant de prendre une décision. Dieu te fera voir. Dieu te fera voir là où tu pourras partir. Alléluia. Amen. Même si que la souffrance, même si qu'on te maltraite, bien aimé, tu dois chercher la conversation avec la personne. Alléluia. Amen. Non, nous devons savoir comment demander même pardon, même si que tu as raison. Le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Amen. Même si que tu as raison, tu dois chercher cela. Il faut beaucoup penser positivement. Amen. Ce sont les travailleurs de Lot qui ont commencé le querelle avec le serviteur d'Abraham. C'était à lui, Lot, de demander pardon. Parce que quand on voit le serviteur de Lot, on voit directement Lot. C'était derrière Lot. Abraham a évité des querelles, de changer de coup avec son neveu. Mais il n'a pas aussi vu de loin. Il a fallu de voir son neveu de près comme ça. Jusqu'ici, il y a toujours la promesse. Il y a toujours la promesse. Non, écoute, Abraham avait des révélations que son neveu était sorcier, était voile auprès de lui. Alléluia. Il y a un thème que j'avais prêché à Bordeaux. Si Dieu le veut, je le partagerai avec vous. L'autre de ta famille sera sauvé qu'à travers toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas laisser l'autre de ta famille, le sorcier de ta famille, dans cette position, et puis d'aller sauver l'autre, l'autre. Alléluia. Tu dois commencer d'abord à sauver l'autre de ta famille. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés dans leur maison, ils ne permet même pas que non, ses propres neveux, ses propres nièces puissent venir les visiter. Alléluia. Parce qu'il a entendu que non, sa nièce là a la sorcellerie. Son neveu là a la sorcellerie. Pourquoi? Le neveu ou la nièce, avec beaucoup de facilité, peuvent communiquer ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois là où se trouve maintenant la séparation des familles. Amen. Alléluia. Amen. Non. Pour éviter cette séparation, tu dois faire le mieux de les délivrer. Mm. Tu provoques, bien aimé, un séminaire familial. Mm. Hey!
On te dira que non, tu es fou. Non, je ne suis pas fou. J'ai eu des révélations. Je dois commencer d'abord ici, là. Amen. Un séminaire familial. Dieu t'utilisera puissamment. Amen. Beaucoup de gens seront délivrés. Et ça évitera que non, les familles puissent être déchirées. Amen. Les familles aujourd'hui sont déchirées à cause de cela, à cause de la sorcellerie. Même ce que tu en as ou pas, quand on te dit que non, c'est là, viens m'écoute. Essaie-toi d'habiller bizarrement. Essaie-toi d'habiller bizarrement. Montre-toi ça, bon, babia, ça, qui tout. Alléluia. L'eau n'a pas qui chassa, il n'y a pas l'eau. Il y a des grèves bien aimées en régie des eaux. Les gens n'arrivent pas à prendre l'air bain. Vous verrez une personne très sale, il vient de faire son travail. Peut-être il est où un porteur quelque part. Dès qu'il passe là, tu ne connais jamais la personne. Vous qui voyez un sorcier, alléluia. Non, il vient du boulot. Alléluia. Il vient du boulot. Si tu n'as pas des habits, c'est parce que tu manques quelque chose. Amen. Si tu es sale, c'est parce qu'il n'y a pas l'eau. Alléluia. Amen. À moins que ce soit par ta propre volonté. L'eau est là, mais tu refuses de prendre le bain. Ici aussi en Europe, il y a des gens pareils. Alléluia. Amen. Il y a des bacalobi. Alléluia. Amen. Attention, on peut t'identifier comme un sorcier, une sorcière. Amen. Écoute, tout est là. Même si que nous vivons à Sodome et Gomorre. Maya Moto et ça, Okimaka, Nini. Amen. Tu es devenu une blanche, oh, un blanc. Beaucoup de parfaits dans ta maison. Tcha, sur le dossier là, tu dégageras mal. Amen. Ça te prendra combien de temps? Tu viens du boulot, va te baigner. On te qualifiera comme l'autre. Alléluia. Amen. L'autre Sodome et Gomorrhe ne prenait pas là. Amen. On va bien où habite. Il y a des désastres là-bas. Où tu trouveras l'eau? Où tu trouveras à manger? L'air à manger, ce n'est que l'impudicité, l'iniquité. Mais ici là, dans ta maison, même si tu vis en Égypte, Sodome et Gomorrhe, mais dans ta maison, ce n'est pas Sodome et Gomorrhe. Amen. Mais tu refuses de prendre le bain. Alléluia. Amen. Tu refuses de prendre le bain. Écoute, beaucoup de rappels d'autres gens disent que n'a pas su que la maman est et ça n'a pas. Une vieille maman. Une jeune fille, un jeune garçon, vous verrez des gens de beaux gars. Allah dit pas tu es parfait. Yohana Lobima. Nasola parfait. Nayanzoto. Et Sangani. Et Bembe. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez apprendre comment baigner. Amen. Pour que tu ne puisses pas être qualifié. Amen. Comme l'autre. Mm-hmm. Soyons prudents, prudentes. Amen. L'eau est trop nécessaire. Amen. Alléluia. Amen. Tu es obligé de prendre de l'eau tous les jours. Amen. L'eau que je vous parle, bien aimé, c'est Yeshua Mashiach. Amen. Si tu n'arrives pas à prendre l'eau qui est Jésus, tu dégageras négativement. Amen. Les gens prendront fuite, bien aimé. Amen. Qui restera à côté de toi. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour que tu sois propre. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit que non, sois propre, que lui ne manque pas dans ta tête, bien-aimé, tu crois comment? Quand tu prends la nourriture, quand tu prends l'eau qui est Jésus, bien-aimé, seul, écoute, bien-aimé, tu seras nettoyé. Amen. Yes. My God. Makakadiaka. Ça commence à venir. Amen. Je suis presque à la fin de mon message. Tu as quelque chose de Dieu en toi, mais tu as tout perdu.
Alléluia. Amen. Tu avais quelque chose de Dieu en toi, mais tu as perdu cela. Tu as aussi quelque chose de Dieu en toi, mais tu voulais perdre cela. Mm. Par ton erreur. Mais Dieu t'accorde encore cette grâce. Tu n'es pas Lot. Ne faut plus devenir Lot. Amen. Ne sois pas comme Lot. Amen. Tu es ce que tu es. Reste-toi dans cette position. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu se souvenait d'Abraham, voilà pourquoi Dieu a soutenu, a délivré Lot, a épargné l'autre, Lot. Mais bien-aimé, toi, peut-être ton ennemi principal, la personne que Dieu a placée devant toi, pour qu'il soit un canal de bénédiction pour toi. Alléluia. L'autre s'est séparé avec son oncle, mais ils n'étaient pas des ennemis. Alléluia. Amen. Tu dis que non, je ne vois rien. Tu préfères mieux te séparer avec Dieu, avec Jésus. Parce que tu as demandé quelque chose à Dieu, tu n'as pas encore dit ça. Jésus est devenu ton ennemi. Tu manqueras beaucoup de choses. Amen. Tu ne réussiras plus jamais dans ta vie. Amen. C'est dans ce chemin-là que Jésus a tracé ta vie. Tu seras béni que dans ce chemin-là. Amen. Mais à travers cette personne-là, bien-aimé, tu es le premier, la première de dire n'importe quoi au nom de cette personne. Tu es comme l'autre. Mm. Je dis bien, tu n'es pas l'autre, mais tu es comme l'autre. Mm. Tu fais que copier les œuvres de l'autre. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, ne pas plus chuchoter. Si tu vois rien depuis que tu as commencé à demander auprès de Dieu, retourne-toi encore vers ton Dieu à toi. Alléluia. Amen. Si l'autre ne comprenait pas son oncle, il pouvait bien demander l'audience à son oncle. Oncle, je voulais parler avec toi, mais d'accepter avec beaucoup de facilité d'aller là où ton cœur est désir, bien aimé, tu perdras ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, par la propre volonté de Dieu, Dieu t'a envoyé en Europe, Dieu t'a envoyé en France. Dès que tu as tout, moi je vais aller à Londres, aux États-Unis, quelque part. Est-ce que c'est là que tu réussiras ta vie? Ça sera plus dangereux que là où tu viens. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent dans leur vie. Une autre révélation. Arrête-toi de discuter avec Dieu. Le problème est que appliquons correctement la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Dieu a indiqué Lot là où il pouvait bien aller se réfugier. Lot a dit, non Seigneur, je vais là. Alléluia. Amen. Tu as un témoignage? Merci après. Dieu a dit, là. L'autre a dit, non Seigneur, je vais aller là dans cette petite ville-là. Alléluia. Amen. Tu vois tes pensées. Dieu est en train de t'envoyer dans une grande ville. Toi, tu dis que non, je vais aller dans cette petite ville-là. Dieu a dit, ok, c'est bon, allez, vas-y. Vas-y. Mais je ne ferai rien au moment que tu n'as pas encore arrivé là-bas. Amen. Quand l'autre a entré dans cette ville, Dieu a commencé maintenant à détruire. Bien-aimé, tu pries un Dieu. Dieu t'envoie là où il y a de grandes choses. Tu préfères mieux aller dans une petite ville, là où il n'y a pas de gens. Voilà pourquoi tu es violé et tu seras violé. Tu seras détruit par des kounouna. Dans cette petite ville, tu trouveras des kounouna. Tu ne trouveras jamais de gens honnêtes.
quand tes deux filles regarderont de gauche et à droite, ils ne trouvent personne, ils vont te violer. Tes fils vont te violer. Alléluia. Attention, il est temps de changer ta vie. Toi, Pharaon, Pharaon, change ta vie. Il est temps. Amen. Le vendredi, je vous ai dit, bien aimé, vous les femmes, il y a des femmes qui sont devenues de l'autel. Oui, vous êtes des voleuses. Avec un bon thème, ils te laisseront partir avec tes biens. Vous êtes là pour voler les biens d'autrui. Alléluia. Amen. Vous arrivez auprès d'un mari, même vide, ventre vide. C'est là que vous recevez les semences venant de Dieu. Tu te retrouves avec 4 enfants. Mais aujourd'hui, tu commences à chercher le divorce pour que tu puisses bénéficier beaucoup de l'allocation familiale. Et tu te permets aussi d'aller avec les enfants d'autrui. Vous êtes des voleuses. Et en même temps, vous scellez dans vos cœurs hein, le papa de vos enfants. Non, tu dois laisser cet homme partir avec ses bénédictions. Amen. Dès que tu libéreras les bénédictions d'autrui, cet homme partira en paix. Amen. Il te laissera tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Si cet homme est toujours derrière toi, c'est parce que tu as saisi encore ses bénédictions. Amen. Les enfants que tu as bien aimés, ce ne sont pas tes bénédictions. Amen. Ça vient de l'Éternel. Ce sont les bénédictions de ton mari. Amen. Tu cherches les divorces. Tu retourneras dans ta famille même vide. Amen. Les poumons vides. Le voleur, vous préférez le divorcer pour mieux beaucoup bénéficier et de chipper aussi les enfants d'autrui. Alléluia. Amen. Heureusement, moi je dis souvent non au divorce. Amen. Non au divorce. Amen. Pas question de l'esprit de l'autre ou de l'autre tête. Amen. Alléluia. Si tu voulais être induit en erreur, tu iras toute seule. Amen. Tu iras toute seule. Amen. Tu me laisseras tranquille avec mes bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont mes bénédictions. Dieu dit à Abraham, je ferai du bien à ton fils Ismaël. Parce qu'il est ta sémence. Amen. Dieu a trouvé le sang d'Abraham à Ismaël. Il n'a jamais trouvé le sang de Agar à Ismaël. Ni le sang de Sarah à Isaac. Amen. Ni le sang de tante maternelle d'Isaac à Isaac. Non. On a trouvé le sang des pères biologiques, des oncles biologiques, tante biologique d'Isaac ainsi que d'Ismaël. Amen. Parce qu'ils portaient en eux le sang d'Abraham, leur père. Mm. Nous, nous portons le sang de Jésus. Amen. On ne trouvera plus jamais le sang de Marie en nous. Amen. Oh, vous êtes le fils de Sarah. Tu ne trouveras jamais le sang de Sarah ici. Amen. Oh, vous êtes le fils d'Abraham. Tu ne trouveras jamais le sang d'Abraham dans mon corps. Amen. À moi, c'est le sang qui circule, c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais t'aider. Jésus m'a presque à la fin de mon message. Je voulais t'aider. Il y a beaucoup de lotes dans l'église des tiens. Il y a des loteurs qui sont décidés eux-mêmes de devenir des lotes, des lotesses. D'autres gens, ils font par tous les moyens de devenir des lotettes, comme des lotes. Alléluia. Amen. Oui, des lotettes ou des lotesses. Féminin de l'autre. Cherche ton dictionnaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à la fin de mon message, s'il vous plaît. Je suis presque à la fin. La Bible dit, l'autre était sauvé. On lui a fait sortir à Sodome et Gomorre. Lui ainsi que ses deux filles, sa femme. Je ne voulais pas vous parler de sa femme. Alléluia. Amen. Mais je vous parle de Lot. Comment il a tout perdu. Comment il a gâché sa vie. Pourquoi Lot était mort comme ça. Je ne sais pas à la fin de sa vie s'il était délivré. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons
prendre des décisions positives, nous fermer. Dieu nous accorde encore cette grâce. Il y a encore l'opportunité. Il y a encore du temps. Je vous dis à tout moment, la délivrance est bonne pour faire l'œuvre de Dieu. Si tu n'es pas délivré, tu n'arriveras plus jamais à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Tu n'arriveras plus jamais à servir ton Dieu à toi. Amen. Tu seras te revendiqué par le pauvre diable. Amen. Parce qu'en toi, il y a encore l'identité du pauvre diable. Amen. Tu peux être né de nouveau aujourd'hui, bien-aimé, mais tu dois chercher ta délivrance. Yes. Alléluia. Amen. Je vous dis à tout moment, ne faut plus venir voir le pasteur, Seigneur. Pasteur, pardon. Tu vois, on m'avait dit que non, j'ai rêvé ma tante, j'ai rêvé mon oncle. Délivre-moi de cette malédiction familiale. Non. Il y a des mensonges à toi. C'est ça la première délivrance que nous devons chercher. Amen. Yes. C'est ça le lien qui a fait lier Abraham, Isaac, Jacob. Amen. La famille d'Abraham. Ainsi que. Donc, c'était long. Ce lien. Abraham a menti. Sarah a menti. Isaac a menti. Rebecca a menti. Jacob a menti. Rachel a menti. Donc, c'est une malédiction familiale. Amen. Dans la famille paternelle comme maternelle de Jacob, vous trouverez les mensonges. Alléluia. Amen. C'est ça la première délivrance que nous devons chercher. Vous trouverez dans la bouche d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un enfant de Dieu, qui dit que non, je suis intègre, mais vraiment terre. Alléluia. Amen. Moi, je dis souvent, bien aimé, tu es serviteur de Dieu, on est des enfants de Dieu. Toi, il y a Sodome et Gomorre. La première des choses, c'est quoi? Ça, ce n'est pas des mensonges. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Tu te permets aussi de passer devant. Je vais témoigner là. Attention, ça témoigne, je vois la terre. Si c'est ce témoignage, je ne te laisse pas passer. Alléluia. Amen. Toi, tu fais que glorifier le pauvre diable. Alléluia. Amen. Nazi Mokanda, il y a 10 ans, n'a comme il pensait. Oh, je n'ai pas tu as menti. Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? À Bordeaux, beaucoup de gens ont condamné un homme de Dieu venant du Gabon. Non, parce que lui, il s'est marié avec une blanche. Voilà pourquoi il dit n'importe où. Non, il était dans la vérité. Je sais qu'il y a des gens qui ont des titres ce jour hein, d'étrangers malades. Tu n'es pas malade, tu acceptes de devenir malade. Voilà pourquoi tu te fais devenir l'autre pour rien. Alléluia. Amen. Tu deviendras malade. Tu n'es pas fou folle. Tu dis que non, j'ai la folie à moi. Ma péché, j'ai cette maladie. Mais non, mes bien-aimés. La Bible dit, la vie et la mort sont ton pouvoir de la langue. Tu passeras aussi devant le Seigneur. Merci. Tu m'as donné un titre de séjour étranger malade. La maladie ne vient pas de Dieu. Amen. Nous allons dénoncer les choses du pauvre diable. Amen. La Bible dit le monde est dirigé sous la puissance du diable. Amen. Tu vis en Europe, Sodome et Gomorre. Mais attention, tu dois renouveler ton intelligence. Yes, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Amen. Renouvelons notre intelligence, s'il vous plaît. Amen. Reste-toi dans cette position. Même si il y a des rejets, Dieu sait comment te donnera les titres de séjour. Même si c'est là de un an, Dieu te les donnera. Amen. Mais il faut que ça soit dans une bonne condition. Amen. Pas d'aller chercher une certaine maladie. Maman a au médecin. Il y a des gens qui sont devenus malades pour de vrai. Parce qu'ils ont menti. C'est lié. C'est depuis le serpent dans le jardin d'Éden. Ça a descendu à qui? À Abraham. L'homme que Dieu a choisi. Toutes les nations de la terre seront venues qu'à travers toi. Mais on trouvait le mensonge en lui. C'est béné. Nous le trouverons aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux fidèles de Dieu. Amen. C'est ça la première délivrance que nous devons chercher. Amen. Sans vous mentir, s'il vous plaît.
Il y a une personne qui a suivi mon message. J'avais prêché c'est des femmes saines. Alléluia. Amen. Cette sœur m'a appelé papa. Au début, sous la français. Na salami. Na koka na nzambe to na koka na muta muki. Si tu te renonces de toutes ces choses-là, renonce-toi un point de vue. Yes. Répands-toi de tes péchés, Dieu te le donnera. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est souverain. Ne peut plus dire que l'autre, écoute, tu as ta vie à toi. Dieu sait comment il est en train de te conduire. Dieu le sait. Amen. Ne faut plus regarder d'autres gens. Non, il a ça. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Amen. Tu risques d'aller te réfugier en Sodome et Gomorrhe. Amen. Tu risques même de t'attacher avec une personne pour te faire voir comment tu as eu ce titre de séjour-là. Alléluia. Amen. La personne te dira la vérité. Tu seras obligé de suivre ses instructions et tu le mettras en pratique. Automatiquement, tu t'es réfugié en Égypte, en Sodome et Gomorrhe, à Babylone. Croyons que non, c'est l'or, l'argent. Or que non. Alléluia. Amen. Et tu ne sais même pas la communion de la personne avec son Dieu. Peut-être lui a demandé pardon à Dieu. Mais toi, avec toutes ces choses-là, non, si ça peut voir la si ça va. Vous avez dans le lingo à Batongo. Moukane en Gouna, Yaloukouta, Moukana malade, Obeda Royatate, le lait de Péa, Avoka, Dinison, presque à la bâtiment, tu peux ça, n'a qu'à activer, car tu dois le faire pour Moukana malade. Tu es tenté de glorifier les pauvres diables, le lait de Yoka Moukana. Mais vous verrez que Moukana a une voix normale, il est humble, amen. Il est tranquille, amen. Il aime beaucoup aider les gens, amen. Il te fera voir comment tu peux faire tes démarches, amen. Mais ceux qui ont eu toutes ces choses avec leur manège, chemin de Zizani là. Hein? Ah mon frère, Lukaka, t'as bien la Luka qui est. Ah c'est. Et ça n'a pas rien. Eh, on met la pamba. Frère Samuel Zani Wanati. Tu as à moi, aussi mon canard. Alléluia. Amen. Parce que lui, il vient de ce chemin, hein, là. Amen. Ah ben oui. Et papa va mettre la française. Il n'a pas de bougon à pâme. Avant que papa remette plus de devenir français, vous savez comment le chemin qu'il a passé pour devenir français. Et toi, avec ton intérêt, l'amour d'intérêt, tu viens de t'accrocher à papa Romain pour oser faire la française dès que tu auras cela. Et la malédiction sera sur toi. Amen. Alléluia.